Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon joueur numéro 7. Ou 8, je sais plus, parce que moi, je crois que j'ai commencé à 0, 8, mon joueur numéro 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est du broadcast UDP WebSocket. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un jeu vidéo, comme vous pouvez voir ici en bas. Ce jeu vidéo, c'est un jeu de drone. Et ce jeu de drone, vous pouvez envoyer des messages en UDP ou en WebSocket pour pouvoir jouer au jeu. Sauf que, il faut aussi pouvoir recevoir des informations du jeu. Mais pour recevoir des informations du jeu, ben, je dois savoir envoyer des messages sur l'ordinateur d'une personne. Sauf que quand vous faites l'ordinateur, quand vous avez un ordinateur qui se connecte à un jeu, l'ordinateur est protégé par des pare-feux, par plein de choses qui bloquent le chemin. Donc en fait, vous ne pouvez pas utiliser de l'UDP parce que quelqu'un peut vous envoyer un message en UDP, mais vous n'allez pas pouvoir lui répondre en UDP, en tout cas pas aussi facilement qu'avec ce qu'on appelle un WebSocket. Et un WebSocket, c'est ça, vous allez implémenter un serveur et vous allez créer un tunnel en TCP. Donc UDP, ça veut dire j'envoie un message et je m'en fous de la réception. TCP, c'est j'envoie un message mais je veux la confirmation de la réception. Et quand vous avez du TCP qui est avec un tunnel entre le serveur et le client, c'est ce qu'on appelle un WebSocket. C'est très 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 pratique. Et vu que mon but c'est de faire des serveurs en Rust, bah, il fallait bien que j'apprenne à le faire. Donc ici, basiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a un script Python qui envoie des messages au serveur. Le serveur réceptionne le script, le code du script Python. Et puis il envoie à tous les clients encore connectés le message en byte là-bas. Si jamais on s'aperçoit que c'est un entier, on affiche juste pour débugger quel type d'entier c'est. Ici, on utilise du Little Endian, c'est-à-dire qu'on commence par la gauche ici quand on écrit l'entier. C'est pour ça que vous voyez un chiffre ici qui correspond à ce chiffre là-bas. Alors, à quoi ça ressemble dans le code? D'abord, il vous faut un script pour envoyer des messages. D'accord? Donc vous allez avoir du Python. Ça ressemble à ceci. Vous apportez le WebSocket qui permet d'envoyer des UDP, struct qui va pouvoir compresser et décompresser des entiers, time pour pouvoir donner une notion de temps. On va lancer une fonction qui va tourner dans une boucle true, donc qui va tourner à l'infini. Dans cette boucle, on va créer ce qu'on appelle un socket, c'est-à-dire un truc en réseau, un truc qui va pouvoir envoyer des petits packages en réseau. On lui dit, bah, c'est là-bas que tu vas pointer, donc mon propre ordinateur. Et voilà le port que je veux que tu contactes, c'est-à-dire l'application que je veux. Il ne sait pas quelle application, il sait juste qu'il va envoyer vers ce port-là et qu'une application va probablement écouter à ce port-là. Je dis probablement parce qu'on fait de l'UDP, donc on s'en fout de savoir qui écoute derrière. On commence notre boucle infinie, ici. On dit, bah, tu prends la valeur qui est là-bas, tu la compactes en des bytes, des 1 et des 0, en format integer, en entier. Et ça veut dire qu'on fait du little endian, c'est comme ceci, qui veut dire la façon dont on stocke cet entier en forme de 1 et de 0. On stocke là-bas. On va sur notre socket et on dit tu peux envoyer ce petit bout d'information à cette adresse spécifiquement et ce port spécifiquement. Et ça va nous permettre d'envoyer le message. Ensuite, on incrémente de 1. Et on affiche pour pouvoir débugger qu'on a envoyé cette valeur. On attend une seconde. Donc ça va, c'est pas très compliqué. C'est juste un peu de Python, un peu de librairie et on envoie le message. Donc on en est. Ça, c'était pour cette partie-ci. On envoie un nombre à chaque fois sur le serveur. Pas besoin de réception, juste besoin d'envoyer. Maintenant, si on veut réceptionner, on va aller dans le code de Rust. Alors, le code de Rust, il est là-bas. Voilà. Alors, ce code, c'est un code que j'ai généré à moitié en comprenant ce que je fais parce que j'ai déjà fait ça en C#. Et en grande partie sans comprendre ce que je fais parce que je suis nouveau en Rust. Il faut le savoir, je ne connais que Rust depuis que 8 jours. Et donc, du coup, 8 jours où je fais 5 minutes par jour, où je suis vraiment à mes débuts. Mais à l'aide de ChatGPT, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce code? D'abord, on apporte plein de librairies. D'accord? On apporte des librairies pour faire du socket, donc du réseau, du TCP, du TTCP stream, ce qui va nous permettre d'avoir des utilisateurs connectés au WebSocket. On va utiliser deux, trois autres outils qui vont simplifier le fait de faire des WebSockets.
ici, ce tungstenite, ou je sais pas comment on prononce. Okay. Et on aura besoin de mutex. Alors un mutex, c'est quoi? C'est un truc qui va permettre de locker. Quand vous faites du multithread, il va falloir pouvoir dire, bah, pour l'instant, je suis en train de travailler dessus, maintenant, tu peux l'utiliser. Et un mutex, ça sert à loquer des trucs et les déloquer pour que plusieurs personnes ne travaillent pas en même temps sur la même valeur. D'accord? Je ne sais pas comment il l'utilise correctement ici, je sais juste que c'est ça que j'utilise quand je fais de la lecture et écriture de fichiers via la zone mémoire. Donc ici, on a notre fameux main. Alors, pour pouvoir faire ce code-ci, il va nous falloir du coup importer dans le projet. Donc ici, comment est-ce qu'on fait pour afficher les fichiers ici? Ceci. Il va falloir aller dans cargo tom machin et on va devoir dire qu'on apporte toutes ces librairies. Tokyo, Tokyo the Tungsten, Future Utility, Lazy Static. Alors Lazy Static, je crois qu'il est plus utilisé dans mon code. C'était un truc qui me permettait de faire des données statiques, mais je les ai retirées parce qu'apparemment tous les forums d'internet disaient que faire des statiques c'était pas une bonne méthode de travail. Du coup, il est fort possible que celui-là soit plus nécessaire dans mon code. Donc, on commence notre fonction. Apparemment, avec Tokyo Main, on arrive à faire de l'async, qui est en fait une fonction qui est une coroutine, c'est-à-dire qui a une notion de pouvoir attendre. On dit bonjour le monde. On prévient que si on nous envoie un message sur le port qui est là-bas, on va le redistribuer sur tous les clients en WebSocket qui sont là-bas. On crée ici une liste. Donc un vec, c'est une liste qui est avec un mutex pour pouvoir dire je y accède ou j'y accède pas, et arc, je sais pas ce que c'est encore, je sais qu'on l'a utilisé mais j'ai pas encore compris ce que c'était exactement, mais c'est un truc qui va être utile ici en l'occurrence dans votre projet. On va créer un thread UDP parce qu'on va avoir besoin de créer un thread, parce que en programmation, si vous ne faites juste un seul thread, bah en fait, vous allez être bloqué par le fait d'attendre. Donc ici, je vais devoir attendre un message UDP. Et tant que je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas faire autre chose. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des clients qui veulent recevoir des messages, qui veulent faire des choses. Et il y a mon thread principal qui veut aussi peut-être nettoyer des choses ou faire des tâches en fond. Donc on va créer ce qu'on appelle un thread. Un thread, ça va être un autre programme qui tourne sur le côté. Il faut savoir qu'un ordinateur ne fait toujours qu'une seule chose à la fois quand il a qu'un seul corps. Il ne fait qu'une seule chose à la fois, mais il passe de l'un à l'autre pour faire croire qu'on fait plein de choses à la fois. Maintenant qu'il y a plusieurs corps, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ça l'idée. Donc ici, on va lui dire, bah, il y a autre chose que tu vas devoir faire régulièrement, c'est d'écouter au serveur UDP, donc via vérifier que sur cette adresse-là, sur ce port-là, tu ne reçois pas un message. Donc ici, on va créer le binding du socket, on va dire c'est bon, tu vas devoir écouter à ces messages. Alors, le fait que j'ai mis 127.0.0.A fait qu'on ne va écouter qu'aux messages qui viennent de mon propre ordinateur. Si j'avais mis 0000 comme ça, comme pour le WebSocket, ça veut dire j'accepte des messages de partout sur le web. Mais ici, on ne veut pas être partout sur le web, donc on dit juste mon propre ordinateur seulement. Si ça vient de mon propre ordinateur, j'accepte les messages. Et donc, on va le mettre dans un buffer. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez recevoir des messages, mais l'ordinateur n'est peut-être pas prêt à l'utiliser. Et donc, du coup, il faut pouvoir le mettre dans une zone tampon en disant bah, pour le moment, je te stocke là-bas, mais plus tard, je t'utiliserai. Et en fait, ici, on crée un buffer de 1024 en disant bah, j'ai une zone mémoire où on va pouvoir stocker les messages au fur et à mesure qu'ils arrivent de 1024 de place. On loop. Et dans ce loop-là, qui va être infini, on va dire bah, voilà, on va écouter les messages dans ce buffer-là. S'il y a un problème, tu m'avertis. Mais s'il n'y a pas de problème, eh ben, quand tu le reçois, tu continues. Donc, tu arrêtes de faire ce que tu fais et tu continues le code. Dans un tuple, c'est-à-dire une donnée qui est multiple dans le retour, il nous renvoie en fait la taille du message qu'il a reçu et je sais pas quoi l'autre donnée. Donc ici, on va pouvoir dire ah, ben, c'est cool, tu as reçu un message, ok, ben, on va le stocker dans data en tant que vecteur 3. On va le stocker dans data en tant qu'une référence de tableau de 0 à 255 de valeur. Ok, on va dire, bah c'est cool, on l'a reçu, tu peux m'afficher qui me l'a envoyé. Comme ça, juste pour info, on a l'adresse de qui nous a envoyé ça, avec son port de retour si on voulait le contacter, si on a la capacité de le contacter, parce que bon, bah, si c'est de l'extérieur, on ne peut pas, mais si c'est de l'intérieur, on devrait savoir. Et on affiche le message en tant que byte. Si c'est un long message, c'est peut-être pas une bonne idée de l'afficher, donc je risque d'avoir des problèmes ici. Ce que je pourrais peut-être faire, du coup, ici, c'est dire if data length et hop hop hop
inférieur à, je sais pas moi, 50, à ce moment-là, on va faire ça. Comme ceci. Else. Sinon, à ce moment-là, on va dire que j'ai reçu un message, mais on va juste afficher les 50 premiers, quoi. Pas besoin d'afficher plus, quoi. Voilà. Alors, j'espère que ça va marcher, mais je crois que ça devrait marcher. Oh, c'est beau quand même le langage Rust quoi, quand tu peux faire ce genre de truc. Bon, tout ça pour dire. Si ça marche, évidemment. On dit mon cher, peux-tu me donner la donnée que tu as reçue? Si elle est inférieure à 50, on va essayer de la traiter, de l'afficher. Si elle est supérieure, on n'affiche que les 50 premiers bytes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire bah, tous les gars qui sont connectés à mon serveur UDP, on va leur envoyer le byte que j'ai reçu. Donc, en vrai, on va prendre la liste ici et on va dire on lock le truc pour dire bah, je vais faire quelque chose avec ces valeurs. Puis on passe dans une boucle et on va en fait itérer dans la boucle. Donc itérer les clients qui sont stockés dedans. Et on va envoyer sur chacun des clients un message en type binaire. Parce qu'en fait, un WebSocket, vous pouvez envoyer des messages en tant que texte ou en tant que 1 et 0, donc du binaire. Ici, on lui dit bah, ce que je t'envoie, c'est pas du texte, c'est du binaire. Voilà la donnée en format vecteur de valeur short, byte. Donc en gros de 0 à 8 bits. Et si jamais tu as le moindre problème, tu m'affiches que tu n'y arrives pas. Comme ça, moi, en tant que développeur, je vais pouvoir voir qu'il y a un petit problème sur le client. Par exemple, quand il se déconnecte, on va voir ce message-là quelquefois, le temps qu'il soit retiré de la liste des clients disponibles. D'accord? Donc voilà. Alors, comment ça se fait que j'ai le client là-bas? C'est parce que, en fait, apparemment, ici, on y a accès depuis là. Alors, je ne sais pas comment c'est possible parce que je m'attendais à ce que je doive passer ça en valeur dans une fonction. Mais vu que c'est une fonction lambda ici qui est dans un thread spawné, je ne sais pas pourquoi j'ai pas besoin de lui envoyer la valeur. Et je comprendrai plus tard pourquoi je peux faire ça, mais là pour l'instant je comprends pas. Mais basiquement c'est ça l'idée, donc on a accès à ce truc-là. Alors, si j'ai bien compris, on a client qui est la zone mémoire où les choses sont stockées. Et UDP thread client ici, en fait basiquement ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un clone de ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait on a une zone, une référence vers cette zone mémoire là-bas. Mais ici, quand on affecte ce truc-ci, en fait, on affecte la référence de cette zone. Bon. En gros, vous avez compris, je ne comprends pas ce que je fais. Je sais ce que je fais, je sais, en C-Sharp, je vois bien comment ça a lieu, comment je fais tout ça. Mais ici, en Rust, je ne suis pas encore assez bon pour pouvoir vraiment comprendre l'entièreté du coach. Je vous explique juste comment j'ai réussi à faire tout ça, comment ChatGPT m'a aidé à faire tout ça aussi, et où on en est. Donc en gros ici ça va vous permettre d'écouter des messages UDP et d'annoncer ça à vos clients, donc aux gens qui sont connectés à votre serveur, à chaque fois que vous recevez un message. Alors maintenant c'est bien beau, on a lancé ce thread là, il nous faut lancer un deuxième thread, le thread du serveur WebSocket. Donc ici on va faire un clone des zones clients pour pouvoir les affecter. Donc ici ça va nous permettre de pouvoir modifier la liste des clients connectés. On va créer un thread qu'on va spawner, donc on va envoyer un thread, et dans ce thread, on va lui envoyer en paramètres les listes de clients, en tout cas la référence vers la liste des clients, pour pouvoir nous mettre à jour la liste des clients qui sont connectés ou pas. Ok. Run server, il est ici plus bas, je crois. Voilà. Donc run server, c'est ce qui va déclencher le serveur. Donc on lui dit, bah vas-y, lance le serveur sur. Est still there? Lance le serveur sur cette adresse-là, sur ce port-là, et j'écoute les messages depuis n'importe quelle adresse. Alors, en C#, quand vous faites ça, normalement, il vous demande le droit d'administrateur sur Visual Studio pour y arriver. Je ne sais pas pourquoi, dans Visual Code, il ne demande pas le droit d'admin, ce qui est surprenant, parce que ça accepte des messages de vraiment partout. C'est ça le but. Donc là, si vous m'envoyez des messages à cette adresse-là, à mon adresse publique, sur ce port-là, vous êtes en capacité d'interagir avec mon serveur. La différence entre une adresse publique et privée, c'est que public et local. Local, c'est sur votre réseau local à vous. Public, c'est l'adresse que vous avez sur le routeur de votre maison, qui est en fait une adresse publique que votre distributeur vous donne. Donc le distributeur ne sait pas ce qu'il y a derrière, personne ne sait ce qu'il y a derrière, vous seul savez parce que vous êtes sur le réseau local. Mais du coup, il vous faudra router ce port vers votre ordinateur si vous voulez avoir un serveur local. Un serveur chez vous. Basiquement. C'est un peu compliqué, mais c'est ça l'idée.
Vous m'envoyez sur mon routeur chez moi, et ça envoyé sur mon ordinateur chez moi. Alors, l'idée, c'est que du coup, les gens peuvent se connecter dessus. D'accord? Et donc ici, on va dire, bah, en fait, attends que quelqu'un essaye de se connecter sur mon truc. Si quelqu'un essaie de se connecter sur mon truc, tu vas spawner un thread, donc faire tourner un petit programme en parallèle. Ce petit programme en parallèle va maintenir une connexion entre mon serveur et le client. Et pour pouvoir avoir des informations sur les clients, tu vas cloner l'adresse dans ce handler. Ce handler, bah, du coup, il prend le TCP stream, qui est en fait la connexion entre moi et le client, pour pouvoir la maintenir et pour pouvoir la travailler. Le client, qui est la liste des gens qui sont dedans. On va dire, bah, c'est bon, on a une connexion entre nous, c'est trop chouette, c'est trop cool. On va initialiser tout ça, ou popo. Et une fois qu'on a initialisé tout ça, on va passer dans une boucle sans fin. Et cette boucle sans fin, basiquement, elle va dire, bah voilà. En fait, moi, je vais écouter en permanence, régulièrement, ce qui se passe. Mais si quelqu'un m'envoie un message, je vais en fait passer au truc suivant et je vais. Non, là, c'est qu'on le reçoit et qu'on a un message. Et si jamais il y a un problème, on ferme le truc. S'il y a un problème, on met une erreur. C'est pas là que. Non, normalement, on est censé vérifier que le message est bien byte et puis après, on l'envoie. Et ici, je le vois pas ce truc-là. Ce message, rien. Close. Error. Ce message, rien. We send. Alors, ça, c'est pour retourner un message en fait. Donc, du coup, c'est où que j'avais fait encore pour lier le client push TX. Async. Tatata. On attend le truc. Donc, on a une connexion. Poup, poup, poup. Elle est là. On fait client. Puis, on fait push. TX, c'est le message. Client push message. Lock. Unbound channel. Create an unbound MCN connected between async task. Send on this channel will allow successful enter receiver. Bon, basiquement, en fait, on établit une connexion avec le client, mais comme vous pouvez comprendre, je n'ai pas totalement compris l'ensemble de ce code-ci. Je vois ce que je ferais en C#, mais basiquement, s'il y a la moindre erreur, ce qui va se passer, c'est qu'il va quitter la loupe, il va arriver ici, et il va retirer le client de la liste des gens disponibles. Sauf que, il retire pas vraiment de la liste des clients, il retire de la liste clonée des clients ici. Du coup, j'ai fait une petite connerie où en fait, bah, en fait, on ne peut pas retirer un client dans un thread. Donc, si vous créez deux threads sur le côté et que les threads retirent le truc, bah, en fait, ça le retire sur le clone, sur le thread là-bas. Ça pour dire, ça gère le client et ça gère le fait de leur envoyer des messages. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Ça ne renvoie pas les messages, c'est juste ça maintient la connexion, je suis con. C'est ça, basiquement. C'est pour ça que je ne retrouve pas le message. Ici, on n'essaie même pas d'écouter au message parce qu'en fait, j'ai pas demandé d'écouter au message, j'ai demandé juste de maintenir la connexion et que s'il y a un problème, on l'arrête. Donc en fait, ici, tout ce qu'on fait, c'est de maintenir la connexion avec le client. Par contre, dans l'UDP là-bas, tantôt, quand je vous montrais, là, on envoie un truc. On prend la liste des clients et là, on dit, bah, si tu es toujours connecté, on t'envoie. Sauf que quand lui va se déconnecter, il va retirer de la liste des clients le fait qu'il existe. Sauf qu'il va retirer de la liste locale. Et ça, c'est un problème que j'ai pas réussi à résoudre parce que je connais pas assez Rust. Donc, j'ai rajouté un troisième thread. Ici, vous avez main. On commence à écouter l'UDP. On commence à maintenir les connexions clients en TCP pour pouvoir communiquer avec eux. Et ensuite, on va dans une boucle ici, infinie, où en fait, on va vérifier toutes les n secondes. Ici, vous voyez, j'attends toutes les 10 secondes. Je pourrais le descendre d'ailleurs en plus bas. Je vais mettre genre toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes, je vais venir et je vais parcourir tous les clients. Et je vais dire, est-ce que la connexion est toujours ouverte? Si la connexion n'est pas ouverte, à ce moment-là, on va retirer le client de la liste des clients. Et alors, vu qu'ici, on a un accès à la liste directement qui se trouve ici, quand on le retire, ça va pouvoir se répercuter sur les autres. Donc, basiquement, ça va être une petite boucle qui vérifie que les clients déconnectés ne sont plus dans la liste et donc vont retirer les clients de la liste. Et voilà. Donc ça, c'est la partie serveur de Rust, basiquement. C'est un peu compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, mais c'est l'idée. Il faut juste copier le code et essayer de comprendre un peu ce qui se passe, regarder le code et essayer de comprendre.
Mais basiquement, c'est voilà, c'est assez, c'est que 120 lignes, quoi. Alors du coup, ça veut dire que maintenant, on a notre fameux serveur, donc ce fameux truc ici. Je vais le fermer et je vais le relancer. Donc ici, vous voyez que j'ai mon projet UDP WebSocket. J'ai un run cargo ici qui va juste me permettre de pouvoir le lancer régulièrement. Donc en gros, ici, c'est juste run-a, timeout. Donc je vais faire Rust cargo. Voilà. Ça va exécuter le... Ça va builder le projet. Et nous voilà avec le truc qui tourne, qui reçoit des messages de cette adresse-là et qui les redistribue. C'est aussi con que ça. Donc on a ce message-là qui envoie un truc, lui qui réceptionne, et lui qui est un client qui, dès qu'il est déconnecté, se reconnecte au serveur et écoute à ce qui se passe. Vous voyez ici, il envoie 114. Et je crois qu'il y a un délai là où il y a un problème parce que. Pourquoi est-ce qu'il envoie? Pourquoi il a une unité de moins? Est-ce que c'est parce qu'il attend avant d'afficher la barre? À mon avis, oui. Bon, tout ça pour dire. Je vais quand même aller vérifier un truc avant. En push, print, il attend après, donc lui, il est bon. On va rajouter un truc à notre code Rust. Ici, tata tata, ok. Et alors, if data.length equal 4. Voilà, comme ça. Alors, le truc, c'est que je crois que ça, c'est pas bon parce que ce qu'on veut, c'est en little one, en little machin, et que c'est pas du little. Comment est-ce que j'avais fait la fois passée? Je crois que c'est juste que je dois inverser les datas. Bon, on va voir. Mais normalement, je dois inverser. Turn that in little endians. Yeah, c'est ça l'idée. Je mets 3, 2, 1, 0, il me semble bien. Voilà. Donc, si jamais la longueur de data est de 4. Hop. Désolé, je suis tellement habitué à mettre des parenthèses autour de mes conditions. À ce moment-là, on le transforme et on dit bah, integer 32 reçu. Ce qui va nous permettre de vérifier un truc. Donc ici, on va fermer ça. On va relancer le cargo. Voilà. Donc ici, on voit qu'il reçoit des chiffres qui sont d'ailleurs pas corrects. Pam pam pam. Ici, on voit ça comme ça. Tata, nana, nana. Pourquoi il affiche ça comme ça? Pam 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 pam. Je vais vérifier un truc. Little Indian big. Alors, si c'est du Little Indian, 32 bits, on met ça là, puis le dernier en premier. Alors que dans le Big Endian, on commence par la valeur. Ouf, 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 ouf. Ok, le truc c'est que ici, du coup, on met la valeur là. Bizarre. Tata.
ChatGPT. Sign Digger. Yep. Du coup, normalement, ça devrait, hein. C'est un I32, donc c'est un sign integer, yes. From byte, rien. Ok, bon, ben, on va revenir en arrière. Hein. Comme ceci, on va voir ce que ça donne. Ça me paraît bizarre, mais bon, pourquoi pas. On ferme ça, on sauvegarde, on retourne dans le truc ici. Parce que normalement c'était bon, mais. Écoute, je peux avoir mal compris. Bah, apparemment j'ai mal compris, c'est pas grave, faudra que je révise un peu. Mais basiquement, voilà, donc on a notre nombre ici, qui est reçu, qui est envoyé là-bas, pop, 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 pop. On en était où, non? On en était à essayer de comprendre ce que je faisais, et donc j'ai ça qui envoie un message. Ça qui reçoit le message et qui affiche le nombre reçu et qui l'envoie si jamais c'est de 4. Et alors du coup il nous reste cette partie là qui est le fait de recevoir et vous allez voir que c'est pas très compliqué, hein. Je crois que je vous l'ai déjà montré mais je suis pas sûr donc je vous le remontre. On va aller dans ici, voilà. Donc comment est-ce qu'on fait à WebSocket? Non, je vous l'ai pas montré. Vous allez avoir besoin de apport async.io qui va vous permettre d'avoir des threads sur le côté. WebSocket qui va vous permettre de faire du WebSocket, time pour le temps et struct pour compresser et décompresser des bytes. Vous avez un WebSocket, alors par exemple, ça c'est si je veux viser un ordinateur sur mon propre réseau. Ça c'est si je veux leur viser un ordinateur qui est sur mon ordinateur, une application qui est sur mon ordinateur. Et ça c'est si je veux viser l'adresse publique de mon ordinateur pour le moment, parce que ça peut changer à tout moment cette adresse-là, mais pour le moment c'est cette adresse publique qui est associée à ma maison. Et ça, c'est le port de mon routeur chez moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous visez ma maison, j'ai fait un port forwarding, c'est-à-dire si on m'envoie un message là, je le pousse vers là-bas. Donc en gros, moi, ici, vu que je veux écouter à tout le monde sur mon ordinateur, ben, en fait, j'ai port forwardé ça sur cette adresse IP-là. Et là, ici, basiquement, du coup, je vais écouter à cette adresse ici. Et donc ici, je lance un async loop, où en fait on va faire tourner ça en permanence. Run until, ça veut dire qu'on va tourner jusqu'à ce que la condition soit fausse. Listen to WebSocket, c'est ce qui va nous permettre de dire bah, pour l'instant je suis en train d'écouter, tout se passe bien. WebSocket adresse, c'est ce truc là. Et on va dire bah, pour un temps infini, tu vas essayer de te connecter à un serveur en ligne. Donc ce serveur là. Si tu y arrives, tu passes dans une boucle infinie. Et cette boucle infinie, tu vas dire, bah, en fait, écoute au message reçu par le serveur sur lequel tu t'es connecté. Affiche le message que j'ai reçu. Et si le message est de 4, tu peux m'afficher que c'est un entier. Et alors, vu qu'on a l'habitude de travailler en Little Endian sur les projets des lois, transforme-moi cet entier en Little Endian et affiche-le-moi. Si tu as la moindre erreur, parce que par exemple le serveur s'est déconnecté, à ce moment-là, tu envoies une erreur. Et vu que tu envoies une erreur, tu vas tomber dans un try exception. Et dans le try exception, on va afficher bah, j'ai perdu la connexion. On va attendre 5 minutes et on va relancer le serveur. Donc on fait time sleep pour dire le thread principal, tu attends. Il va attendre 5 secondes. L'exception va avoir fini. Il va retomber dans une boucle while. Il va retomber dans une boucle try. Il va essayer de se reconnecter. Si le serveur est là, il va se connecter. Si le serveur n'est pas là, il va y avoir une exception. Il va retomber là et etc. etc. Donc ici, on a un client qui va écouter en permanence les messages en version byte qui arrivent du serveur sur lequel il pointe. Donc voilà, c'est aussi con que ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Donc si jamais vous cherchez à avoir le code, il est sur le GitHub qui s'appelle Hello Rust Bending sur le GitHub de Hello Astray. Vous allez dans Rust Everyday et puis vous allez chercher non pas, pas cette adresse-là, c'est 2024, je vais le changer. 0616D7 broadcast UDP WebSocket. Et vous aurez du coup le code de Rust et le code de Python pour envoyer, réceptionner et avoir le serveur. Et donc voilà.
Je vais aller utiliser un peu ce code-là dans le projet principal avec les drones là-bas, histoire de voir un peu ce que ça donne, mais c'est ça l'idée. C'était mon 8e jour de Rust. Passez une bonne journée. À la prochaine. Que le code soit avec vous.